fille de Raymond Fortin et de Madeleine Laplante, la chanteuse soprano Hélène Fortin naît à Delbeau le 2 juillet 1959. Elle fait ses débuts avec la troupe de théâtre Les Oranges sous la direction de Madame Denise Gay. Détentrice d'une maîtrise en interprétation vocale à l'Université Laval, Hélène Fortin se perfectionne auprès de sa professeure Louise André. Elle enchaîne les honneurs, dont le prix Raoul Jobin de l'Opéra de Québec et le premier prix à la finale des concours de musique du Canada à Vancouver en 1986. La soprano colorature joue un rôle déterminant pour sa carrière professionnelle en 1989 alors qu'elle interprète Constance dans le Dialogue des Carmélites de Poulenc à Montréal et à Edmonton. Admise à l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, elle incarne Gilda dans le Rigoletto de Verdi en 1991. Deux rôles d'envergure lui sont aussi confiés cette année-là, soit Sophie dans Le Chevalier à la Rose et Olympia dans Les Contes d'Hoffmann. Son talent l'amène jusqu'aux États-Unis, notamment grâce à l'opérette Die Fledermaus, jouée au Florentine Opera de Milwaukee en 1991, et sa prestation en tant que finaliste au concours Pavarotti à Philadelphie l'année suivante. En fin de carrière, Hélène Fortin enseigne au Conservatoire de musique de Québec et à la Faculté de musique de l'Université Laval. Elle décédera le 26 octobre 2008. C'est avec émotion et fierté que la ville de Delbeau-Mistassini souligne sa grande carrière et lui accorde le titre de Bleuet étoilé.